Nous connaissons la parabole que la liturgie nous propose ce dimanche, les dix jeunes filles qui sont invitées à la noce et qui attendent l'époux qui vient. Cinq d'entre elles vont rater le rendez-vous. Elles passent à côté d'une rencontre. Dans la vie, il nous arrive de rater des rencontres et des moments importants, par manque de disponibilité, d'intérêt, pour ne pas être dérangés. Les événements souvent sont ces lieux de rencontre, ces lieux de parole, pour qui sait les accueillir. Et ces lieux où celui qui vient, et de manière inopinée souvent, on l'attend, eh bien, nous questionne, et nous le questionnons. Que me dis-tu, Seigneur, par ton passage À quelle rencontre m'invites-tu Pour quelle avancée de ma vie Mais souvent. Son heure n'est pas la nôtre, son heure n'est pas la mienne. Le moment de son passage, le moment de ses passages est unique. Dommage de le rater. Et la parabole nous invite donc à veiller, à ne pas nous assoupir, mais à être des réactifs. Et pour être des réactifs, bien oui, il faut avoir l'huile à portée de la main, l'huile. C'est peut-être nourrir nos attentes comme l'huile nourrit la lampe et sa mèche, nourrir nos attentes d'une présence déjà. La présence du Seigneur par la prière, la présence du Seigneur par la parole de Dieu qui nous garde éveillés, la parole de Dieu, mais aussi les sacrements vivre les sacrements, vivre la vie fraternelle, communautaire, et nous avons à nous aider à rester éveillés les uns avec les autres, les uns par les autres. Ces jours difficiles que nous venons de passer sont de sérieux appels. Voici l'époux qui vient dans de drôles de circonstances. Mais s'il vient, ne le laissons pas passer car s'il vient, il nous délivre toujours un message. Il nous invite à affermir notre foi, à affermir notre espérance en lui, en nous nourrissant davantage ces temps-ci des beaux passages des béatitudes, du message de la croix, et de l'invitation qu'il nous fait. C'est celle de l'amour. Il nous invite à ses noces, à ne pas endurcir notre cœur, à ne pas avoir du ressentiment en nous, de la haine. Christ est parole d'un Dieu qui nous aime, Dieu nous invite aux noces de l'Agnon. C'est le partage du signe de l'amour. Alors je vous invite à partager cela en famille, à le partager entre amis, à le partager avec vos enfants. Lisez l'Évangile ensemble, priez-le. Le Seigneur passe à son heure. Mais ne laissons pas passer l'heure. Sachons nous poser, mais dans l'éveil, nourris de cette huile. Apprenons du Seigneur la patience, qui nous permet d'être, en ces temps difficiles, des veilleurs. Des veilleurs, même s'il nous paraît parfois que le Seigneur est rude ou qu'il tarde à venir. Mais ne nous passons pas de sa présence. Il nous parle toujours. Alors, ouvrez l'évangile entre vous, priez-le. Il est là lorsque nous sommes avec lui. On ne réduit pas sa présence à nos désirs. Il passe à son heure.